ton tour de compter, Adilia. Tu ne nous trouveras jamais. C'est ce qu'on va voir. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, hein? Sept, huit, neuf, dix. Attention, j'arrive. Trouvé. Oh, t'es vraiment mal caché, Adibou. Regarde, qu'est-ce que c'est? Tiens, il y a des champignons sur Célesta. C'est une plante? Non, les champignons sont une espèce à part et certains se mangent. Attends, on ferait mieux de demander à Robitox si on peut y toucher. C'est peut-être lui qui l'a planté. À quoi ressemblait ce champignon? Il était peut-être vénéneux. Il était gros et orange avec un pied jaune. Mais non, le pied était plutôt blanc. Si Bouzy s'est empoisonné, les symptômes peuvent se déclarer rapidement. On va se rendre sur Terre et identifier ce champignon. C'est la seule façon de le savoir. C'est quoi exactement un champignon? Ce sont de drôles d'organismes. Ils n'ont ni fleurs, ni feuilles. Ceux qui poussent dans la terre ont souvent un pied et un chapeau. Mais il y en a aussi qui poussent dans du bois pourri ou dans l'écorce des arbres. Les champignons poussent surtout dans les lieux humides. Certains sont microscopiques, d'autres pèsent plusieurs kilos. Il en existe plus de 100 000 espèces différentes. Ça doit être dur de les reconnaître. Oui, et justement, certains champignons se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il faut être très prudent, car quelques-uns sont toxiques. Ne t'en fais pas, on va trouver quel champignon tu as mangé, et tout ira bien. Oh, on ferait mieux de se macro-miniaturiser. On pourra plus facilement reconnaître notre champignon. C'est parti, macro-miniaturisation. C'est un champignon comme celui-là que Bouzy a mangé. Pas du tout. Celui qui était sur Célesta avait un pied blanc. Non, jaune. Blanc. Ah, il faudrait savoir. Avec un pied jaune, c'est sûrement une amanite de César, totalement inoffensive. Avec un pied blanc, c'est peut-être une amanite phalloïde, qui est un champignon très toxique. Mon pauvre Bouzy. Mais puisque je vous dis que le champignon avait un pied jaune, il n'y a aucun problème. Tu as vu sa tête? Il a mangé une amanite phalloïde, c'est évident. Tant pis pour la couleur, on va aller voir ce champignon de plus près. Peut-être qu'on trouvera d'autres indices. Mais comment on fait pour reconnaître un champignon toxique d'un champignon qui se mange? Seule l'observation minutieuse et surtout l'expérience permettent de bien les différencier. Il faut tenir compte de la couleur du pied, du chapeau, vérifier s'il y a des verrues et des lamelles. Tiens, comme celle-ci, regardez. Qu'est-ce qu'il est appétissant, ce champignon! C'est le piège! Les plus beaux champignons sont souvent les plus dangereux. Bouzy, tu as mal au cœur? C'est peut-être le premier symptôme d'un empoisonnement. Vous ne trouvez pas que ça sent bizarre? Mais oui, l'odeur! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Tu as un indice, Robitoc? Les champignons vénéneux dégagent souvent une odeur désagréable pour faire fuir les animaux qui voudraient les manger. Et pour ce champignon-là, il faut vérifier ça tout de suite. Bouzy n'aurait jamais mangé un champignon avec une telle odeur! Le champignon est toxique. C'est une amanite phalloïde qui ressemble à s'y méprendre à une amanite de César. Notre champignon ne sentait pas mauvais. Maintenant, on est certain que Bouzy n'a pas mangé de mauvais champignons. Bon, on peut rentrer sur Célestin. Bouzy, maintenant tu sauras que l'on ne doit pas manger les champignons que l'on ne connaît pas. Toutes ces émotions ont épuisé Bouzy. Il dort comme un bébé. Avant de rentrer, on pourrait trouver un coin où il y a des champignons comestibles. J'ai envie de les goûter, moi. Bonne idée, mais c'est moi qui les choisirai. Macro-miniaturisation. Viens, Adilia. Là,
des cèpes, des bolets, des chanterelles. Oh, que des champignons comestibles. On va se régaler. À table! L'omelette aux champignons est prête! Ces champignons ont l'air délicieux! Cette fois, je suis d'accord avec Adibou! On arrive, Robitoc! Alors, Adibou, tu en sais plus sur les champignons? Ce sont des organismes sans fleurs ni feuilles. Ceux qui poussent dans la terre ont souvent un chapeau et un pied, mais il y en a aussi qui poussent dans du bois pourri ou sur les arbres. Les champignons n'ont plus de secret pour toi! Au revoir!